Comment faire la prière? Allez, préparez-vous pour le décollage! Ça y est! Je suis tout propre, j'ai fait les ablutions! Tu veux dire les ablutions? Allez, maintenant tu vas apprendre la prière avec Abby. Apporte un tapis de prière. Vous aussi les enfants, faites comme Ryan, apportez le vôtre. Déjà, il faut que tu te places en direction de la Kaaba. Dans chaque maison, la direction est différente. On l'appelle la Qibla. Et chez nous, c'est dans ce sens-là. Les enfants, posez votre tapis en face de Ryan pour apprendre en même temps que lui. Mais quand vous ferez une vraie salette, vous vous placerez bien en face de la Qibla. Vos parents vous montreront. Abby, est-ce que je peux leur montrer la salette? J'aimerais bien, mais tu m'as dit que tu ne connaissais pas toutes les paroles. Si tu veux, tu leur montres le début et moi je fais la suite, d'accord? D'accord. Voilà. On dit Allahu Akbar, puis on place les mains sur la poitrine en mettant la droite sur la gauche. Non, non, j'ai dit la droite sur la gauche. Oh non, je me suis trompée. C'est parfait. Maintenant, on va réciter la sourate Al-Fatiha. Allez les enfants. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masha'Allah. On poursuit avec une sourate du Coran ou quelques versets. Nous, on va choisir la sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu Ahad. Allez, je veux vous entendre réciter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Après ça, on dit Allahu Akbar et on s'incline. Allahu Akbar. Vous restez incliné et vous répétez trois fois Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Là, on se redresse en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Et maintenant, on dit Allahu Akbar et on se prosterne tous. Allahu Akbar.